Comment supprimer la toux rapidement? Un remède fait maison pour la toux sèche ou même la toux grasse qui fonctionne vraiment. Ce remède fait maison est très efficace pour soulager la voix. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux remèdes fait maison pour soigner votre toux sèche ou même grasse. Ces deux remèdes sont utilisés depuis des générations. Avant de vous montrer comment vous pouvez préparer ces remèdes chez vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer les cloches de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je mets en ligne quotidiennement. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous remercie de me laisser votre nom dans les commentaires. Je vous mettrai un cœur. Le premier remède est un thé au thym et au gingembre. Ce remède est très efficace, non seulement pour soigner les toux sèches, mais aussi pour d'autres problèmes de santé tels que la grippe respiratoire, le rhume, les infections de la bronchite et même l'asthme, car ça a des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, antitoussives, qui combattent de l'intérieur les causes de la toux. Le gingembre apporte une sensation de chaleur dans la gorge et certains flavonoïdes trouvés dans le thym permettent de détendre les muscles du système respiratoire, causant un soulagement rapide de la toux. Pour la préparation de ce thé, il suffit de faire bouillir 2 ou 3 tasses d'eau, ajouter quelques feuilles séchées ou quelques feuilles fraîches de thym et 2 morceaux de racines de gingembre finement râpées. Laissez mijoter pendant 10 minutes. Puis retirer du feu. Laissez refroidir pendant 5 minutes avant de boire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel pour que ça donne une meilleure saveur à votre thé. Ça a également des propriétés antibiotiques. Je vous conseille de boire une tasse de ce remède 2 ou 3 fois par jour jusqu'à ce que votre toux sèche disparaisse complètement. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, les membres de votre famille. Dites-moi dans les commentaires de quel pays est-ce que vous me regardez, de quel pays est-ce que vous suivez ce contenu pour que je puisse vous remercier particulièrement pour votre soutien. Le deuxième remède est un sirop préparé avec du miel, des grains de lin, du citron et de la cannelle. La combinaison de ces ingrédients montre au fil des années que c'est un excellent remède de maison pour soigner la toux. Il est généralement préparé sous forme de thé. Le remède que je vais vous proposer aujourd'hui est l'un des meilleurs remèdes faits maison pour soulager la toux, car il contient des grains de lin qui ont des propriétés antiseptiques très efficaces pour soigner la toux. Les personnes qui ont utilisé ce remède disent que c'est le meilleur remède pour soigner les toux sèches. Lorsque vous consommez ce remède, les grains de lin vont créer une substance gelée épaisse et collante qui va produire une doublure sur les parois de la gorge et les bronches qui permettra de soulager rapidement la toux. Pour la préparation de ce remède, faites bouillir de l'eau dans un bol, ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de grains de lin, de préférence des grains de lin moulus ou écrasés, et un bâton de cannelle. Laissez mijoter jusqu'à ce que l'eau s'épaississe, alors filtrez l'eau et rajoutez 3 cuillères à soupe de miel, de jus de citron. Mélangez bien et conservez cela dans un récipient ou dans un verre. Je vous conseille de boire une tasse de ce remède plusieurs fois par jour pour obtenir des résultats satisfaisants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de partir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. Si vous avez déjà aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez avec vos amis, les membres de votre famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai car votre santé est ma priorité. Je vous invite également à visiter mon site www.rosemunifashion.com et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!